Aujourd'hui, j'ai trollé SK, l'homme le plus nul de Minecraft, grâce à un piston ultra puissant. L'objectif, aspirer complètement sa maison pour qu'elle disparaisse. Donc tu sais quoi, objectif 1345 likes, c'est y part. Bon les mecs, est-ce que vous êtes chaud là? Moi je suis ready pour quoi? Parce que moi on m'a ramené ici, mais je sais pas ce qu'il faut faire encore. Bon, ça va être simple. Aujourd'hui, on a trois endroits, des endroits plutôt spéciaux. Et ce qu'on va faire, on va devoir construire une maison. Et le perdant, celui qui fait la pire maison, la maison la plus éclatée au sol, il a un gage. Et un gage que personne ne veut, ok les mecs? On sait déjà c'est qui va perdre, hein? On le sait déjà. Ah ouais, c'est pas désagréable. Non, je pense que je vais gagner. Tu m'es tapé sur qui? Bah moi-même. Bon, ok les mecs, ça va être méga simple. Je vais déjà commencer par faire une petite maison. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, on est là, bien évidemment, pour rendre fou cet homme-là. Et si je lui ai donné la plus grande des parcelles, c'est pas pour rien. Déjà, vous savez quoi? On va pas spoiler le concept. De toute façon, vous l'avez vu à la miniature, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va faire des dingueries. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un semblant de maison. L'objectif n'est pas de faire la plus belle maison. Parce que comme j'ai dit au démarrage, celui qui fait la pire maison, c'est lui qui aura le gage. Limite simplement en posant que ça, je pense que ça peut être suffisant. Parce qu'en soi, le but c'est que SK à la fin du build battle n'est absolument plus rien. Donc vous savez quoi, on va prendre un petit peu tous les blocs que je peux potentiellement trouver. Voilà, on prend des blocs même s'ils sont pas très beaux, j'en ai rien à faire aujourd'hui. Même ces blocs là, Théma, comment c'est immonde, c'est dégueulasse, on dirait une genre de cheminée. C'est l'une des pires maisons qui est possible. Il y a aussi des mecs, comme vous pouvez le voir, on peut voir les pseudos. Bon là on les voit pas, mais regardez-moi ça. On voit les pseudos au-dessus. Sauf bien évidemment, si je join une team, et bah logiquement, au-dessus de mon blaze, on ne voit plus de pseudos. Donc ça veut dire que maintenant je peux limite faire des infiltrations sans qu'ils voient mon blaze. Et ça quand même, c'est plutôt cool. Bon, du coup, comme prévu, on doit faire une petite maison. Moi, je vous mens pas que je sais très bien que c'est pas moi qui va perdre. Hein. Pour le coup, j'ai un peu d'expérience dans le build. Du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va déjà choisir nos blocs. On va prendre du bois, on va prendre de... On va prendre quoi? On va prendre des petites planches. Et nous les mecs, ça va être le thème de la montagne. Donc nous les mecs, on est des gens de la montagne, on est des gens, voilà, plutôt séduisants. Donc on va commencer par faire les fondations. Voilà, comme ça. Là les mecs, cette fois, ça va être un build battle sérieux. Voilà, moi je vais pas tenter de troll. Sauf, parce que bon, je connais Lined les mecs. Hein. Je sais très bien qu'il a dû prévoir quelque chose. Si Lined tente de me troll, je vous dis sa maison, je vais en faire une explosion. J'en ai rien à faire. Bon les mecs, je sais pas dans quel bourbier on m'a immiscé, mais de ce que j'ai compris, fallait faire une maison. Je suis pas le meilleur architecte, comme vous le savez. Je suis même le plus gros noob de Minecraft, je pense. Mais on va essayer de faire ça bien parce que j'en ai marre qu'on prenne pour la pierre des racleurs de bidets. J'en ai strictement marre, vraiment. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on prenne des petites pierres taillées, qu'on met un peu comme ça, voilà, vous m'avez compris. Ce serait pour vous de faire comme ça. Regardez en mode 1-2 à 2, 1-2, 1-2. Ok les gars, je commence à avoir une DA. Je pense avoir ma DA déjà là. Non c'est le connaître, je commence à avoir de la gueule hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez le chat, enfin les commentaires là, mais un peu la gueule d'un château fort. D'une maison hantée un peu là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon alors y a pas un très beau contraste avec le quartz, mais bon, m'en demandez pas trop non plus s'il vous plaît. Ok, il fasse nuit, hop là, on s'en reste éclairé. Je pense que là, Shaon et Lined. Mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à avoir de la gueule, hein. Je sais pas combien de temps ils nous ont donné. Je sais pas combien de temps il m'a donné ce sacré Lined. Ce bon vieux Lined. Oh, je jitterclic comme un malade, mais. Perfetto, tête de homme. Un peu de vergeture, ça fait pas de mal. Hop là, un peu partout, ça fait pas de mal. Plus que rajouter de la poudre d'os. Allez, c'est parti. Oh. Non, on va commencer à partir dans notre boudin là. Vous savez quoi, je vais faire une maison, mais une maison effrayante. On n'est pas là pour faire une beauté. En fait, je veux qu'SK il ait vraiment la haine. Il va voir ma maison, il va se dire elle est hideuse. Mais vu qu'il a plus de maison à cause de mon troll, et bah il pourra pas gagner en fait. Donc même moi qui ai fait une bouse surhumaine, et bah ça va me faire gagner. Regardez-moi cette immondice. Elle a rien de joli. C'est une maison simplement parce qu'elle a des portes et qu'elle a du bois. Et on va simplement y mettre, bah entre guillemets, bah le nécessaire. Le strict minimum pour que ça soit comptabilisé comme une maison. Avec simplement un petit lit. Et voilà, moi j'ai terminé. Ensuite les mecs, on va boucher tout ça avec du bois. Ah ouais, quand je vous dis les mecs que j'ai de l'expérience en build, hein, c'est pas pour rien. Ah, moi je suis un architecte depuis des années. Hein. Il joue à quoi lui? Mais c'est un malade lui, mais il est malade! Ce tricheur là! Il croit que je le vois pas, ce chien! Puis sa maison elle ressemble à quoi? Mais dégueulasse, mais c'est quoi sa maison nulle là? Et je vais même pas parler, je vais même pas réagir. Je vais continuer à faire mon build moi. Bon les frères, j'ai enfin fini avec ces pouces, avec ces poudres d'os là, j'en pouvais plus les frères. Bon, qu'est-ce que vous pensez que je peux rajouter les gars? On va rajouter un deuxième étage. Parce que eux ils auront jamais la même idée que moi. Un petit étage avec des escaliers, comme ça. Parfait comme ça là. C'est bien au milieu. Je vois pas bien, je suis mieux. On va dire que c'est bon. Bon, allez, je vais me prendre du quartz dans le thème blanc, dans le thème whiteos. Ben voilà, ça, je trouve ça très stylé. L'effet un peu aquatique. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la même chose que moi là? Ben, moi, je le vois. Bon, vous savez quoi, les mecs? Maintenant, ça va être simple. Je vais simplement partir en infiltration. Donc, vous savez quoi? On va quand même partir en bas. En fait, le but, c'est que j'arrive à pointer entre guillemets sa plateforme. Parce que oui, les mecs, s'il y a une plateforme, ce n'est vraiment pas pour rien. Donc, vous savez quoi? Déjà, on rebouche. On va quand même penser un petit peu à la lumière. Et voilà, c'est bon. On peut accéder à son build. En fait, dès lors que je tombe nez à nez avec du quartz, il faut que j'arrive à délimiter sa zone. Voilà, regardez-moi ça. C'est du quartz. SK est en train de se balader. Je prie au plus profond de mon âme pour qu'il ne voit pas mon blaze. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux utiliser un petit peu World Edit. Donc là, on va essayer de l'utiliser un petit peu.
J'espère qu'il m'a pas vu. Je sais pas s'il m'a vu. J'ai failli faire une boulette. Une boulette plutôt grosse même. En fait, limite, les mecs, il faudrait que je kick SK. Je vous jure, attendez, je vais kick SK. Vous savez quoi? Attendez, je le banne. Je vais carrément le ban. Vous savez quoi? Je l'ai banni, j'en ai rien à faire. Voilà, hop là, slash pardon, hop là, et hop là, c'est bon. Incognito, les mecs. Wesh, allô? Wesh, mais quoi? Voilà, bah attends, qu'est-ce qu'il veut lui? J'ai été banni? J'ai rien fait? Bah, je sais pas. Après, peut-être t'as triché, peut-être que le modo il t'a détecté, je sais pas. J'ai pas triché, tu vois, je triche comment? Ok, j'ai peut-être cassé un petit bloc pour te regarder parce que j'avais l'intime conviction que toi aussi tu trichais. Mais je comprends pas pourquoi j'ai été banni. Ah, mais je te jure que c'est pas moi, hein. C'est vraiment pas moi. Ah non, c'est bon, je suis relâché. C'est bon, merci beaucoup de ton intervention. Au revoir. Voilà, mais m'aide pas alors. Mais pourquoi tu m'appelles? Tu es la pire personne qui a existé dans cette terre. Eh, Lined, il a vraiment acheté les pires serveurs de France. Ce mec, il gagne 60 000 euros par mois pour acheter les pires serveurs de France. Non, mais faut aller se faire voir là. En plus, ça fait des pop des trucs. C'est archi chiant, frère. Est-ce que vous voyez ce que j'ai envie de faire, les gars? Une maison un peu sur pilotis. Comme ça. Ça va, regardez. Bon, vous allez vite comprendre ce que j'ai envie de faire. On se dépêche comme ça. En fait, j'ai envie que ça fasse le tour de la maison. Au revoir, mère nature là. Déguerpie un peu, s'il te plaît. Maintenant, les mecs, c'est vraiment incognito. Là, je peux poser des petits blocs tranquillou pilou. Et après, les mecs, on va s'attaquer au système pour entre guillemets rétracter la plateforme. En fait, le but, je vous l'explique, c'est de rétracter la plateforme qui est en hauteur, donc la plateforme de quartz, la faire complètement descendre. En tout cas, il vient de se connecter, donc c'est plutôt pas mal. Et après, reboucher la hauteur, comme ça en mode ni vu ni connu, comme si rien n'existait. Donc là, les mecs, ça va être simple. J'ai mis un genre de piston mécanique collant avec des petites barres d'extension de piston. Et en gros, ça, c'est on va dire le main game pour commencer à limite prendre sa plateforme. Grâce à ça, logiquement, ça va monter et boum, on peut lui péter sa maison. Bon, le problème, c'est que vous doutez bien, on est quand même en troll. Le but, c'est de pas se faire cramer. Et ça peut être compliqué quand même. Il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen de faire crash le serveur, se connecter avant, faire des petites magouilles. Mais en tout cas, je pense qu'on peut le faire. Ah, défense taquine avec SK, c'est la derka. Moi, les mecs, là, je suis en train de faire le toit. Franchement, je pense sincèrement que mon build sera le meilleur. Je pense que là, maintenant que j'ai développé des techniques de fou, ma maison sera la plus chaleureuse, sera la plus belle. Tout le monde aura envie de faire sa survie chez moi, voilà, comme ça. Moi, cette fois, les mecs, là, vraiment, c'est le premier build battle où vraiment, je troll pas. Après, les mecs, je vous mens pas que Lined, j'ai un peu peur qu'il triche. Genre, je sais pas ce qu'il a préparé en soi. J'ai pas envie de tricher parce que j'ai peur que, bon, si je regarde, il va commencer à s'énerver, il va commencer bah vraiment tricher. Du coup, je sais pas trop ce qu'il a préparé, quoi. Après, s'il y a bien un mec à troll, je pense que c'est SK, donc bon, moi je pense pas que j'ai de soucis à me faire. Après, il peut nous troll tous les deux, hein. Bon, maintenant les mecs, j'ai ajouté un petit moteur, et ça, je vous le dis les mecs, c'est le nerf de la guerre. En gros, grâce à ça, si je dis pas de bêtises, hein, si je mets, on va dire, le chiffre en négatif, et voilà, au moins, bah regardez ce que ça fait. Et voilà, et maintenant, limite, je rétracte. C'est pas, en fait, je rétracte, et ça vole son. Attendez, voilà, on repose le bloc, ni vu ni connu, et regardez-moi ce que ça vient de faire. En gros, l'objectif, c'est qu'après, j'arrive entre guillemets à coller toute sa parcelle. Et quand elle sera collée, bah comme vous l'avez vu par rapport au piston, je vais pouvoir rétracter son build et on va pouvoir le laminer, l'éteindre, le détruire. Donc vous savez quoi? Là, je pense que je n'ai plus rien à faire pour le moment. Parce qu'en fait, les mecs, je vais devoir prendre de la colle extra forte. Mais le problème de ça, c'est qu'il faut quand même que j'attende bah, que SK il finisse son build. Sinon, je peux rien coller. Donc ça veut dire que là, bah c'est simple, j'ai simplement à partir. Et maintenant, bah je reviens simplement quand SK a fini son build. Et voilà, maintenant je n'ai plus grand chose à faire. Bref, regardez ce que j'ai envie de faire. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est en mode je fais le tour de la maison comme ça avec mes quartz, je sais pas comment ça s'appelle, avec mes calcites, et que je les rejoigne entre elles pour former un petit effet de rond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est tout ça assez stylé personnellement. Vous savez quoi, je vais quand même un petit peu améliorer ma baraque parce que là j'ai l'impression que c'est un peu du foutage de legueux. Donc vous savez quoi, on va faire un petit long couloir parce que là de ce que j'ai vite fait vu, bon ça a pas l'air très jojo ce qu'ils font, hein. Enfin du moins SK, j'ai l'impression qu'il bah il fait plus du, bah, une forêt qu'autre chose. Je sais pas si c'est vraiment le thème qu'il faut faire, mais parce qu'en plus les mecs, s'il fait une forêt, bah dites-vous que quand je lui aurai pris sa maison, ah bah malheureusement il restera pas grand chose. Donc bon, le thème forêt, c'est pas trop le thème de la baraque. C'est qu'on va le faire passer pour un fou. On va lui faire croire qu'il a pas compris le concept du build. Comme ça, il y a même pas de truc de triche ou je sais pas quoi. En plus, vu que je suis un tricheur né, je vais le mettre en aventure. Parce que les mecs, regardez-moi ça, quand vous êtes en aventure, et bah si jamais il veut casser en dessous, et bah il ne pourra rien faire. Parce que bon, le souci, c'est je connais SK. S'il voit qu'il y a plus de baraque, il va commencer à faire ça pour essayer de voir s'il y a en dessous, et boum, il va tomber sur sa baraque. Et c'est exactement pas ce qu'on veut en fait. On veut vraiment tout l'inverse. On veut simplement qu'il stresse et qu'il passe pour un idiot et qu'il fasse le gage. En fait, c'est le but d'SK. Divertir la plèbe, faire rire les gens. C'est un peu comme le bouffon du roi, mais il est vraiment cool. Donc bon, pour aménager la maison, bon, à part faire ça, je sais pas quoi faire d'autre, hein. Le gage, c'est pas moi qui vais le grailler, hein, les frères. Croyez-en, sur parole, je ne boufferai pas le gage. C'est impossible. Voilà, c'est comme ça, avoir de la gueule, la maison, elle est grande. Est-ce que, les gars, je sais pas si vous voyez comme moi, mais je pense avoir une bien meilleure maîtrise de mes mains sur Minecraft. Genre en mode, là, ce que je fais, c'est regarder ce que je peux faire. Regardez mes doigts. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hein, la team, vous voyez ou pas ce que je veux dire? J'ai une bien meilleure maîtrise. Ah, je sais pas si je le banne, parce qu'en fait, si je le banne, va y avoir un message. Donc, vous savez quoi, les mecs, je vais le ban via la commande. Vous savez quoi, ça va être simple, on va ban SK la cité et boum. Pourquoi ils font ça? Vas-y, vous êtes super gênant là. Allô? Et donc là on voit Kiki, j'en ai rien à foutre. Je vais simplement prendre de la glu. Je vais tenter de gluer entre guillemets le bail. Voilà, on va le gluer comme ceci. Et là logiquement tout est bon. Bon là les mecs, après le problème, c'est que là il faut vraiment que je me dépêche. Parce que dites-vous que bon, il est pas bête, est-ce qu'au bout d'un moment, il va comprendre qu'il a été banni. Et bon, s'il commence à sunmute avec Shawen et tout, il commence à parler. Moi je vais bien rester dans mon coin.
coin. Chacha, j'ai été rebanni, frère. Il y a un opérateur, aide. C'est 100% la aide, c'est 100% la aide, il te troll. Il peut pas me troll dans un truc où faut juste construire une maison. Il y a pas de. Le troll il est nul là, c'est juste tu me bannes un serveur, c'est juste chiant. Bah en soi, si c'est juste ça le troll, oui, c'est vraiment éclaté. Bah dans ce cas là, faudra lui dire. Mais non, mais je comprends pas qu'il me troll parce que. Mais là, c'est un truc où il y a un gage à la fin, faut construire une maison. Comment il peut me troll à part juste. Bah il veut que tu fasses le gage, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée, mais là, moi je suis en train de faire mon build, j'ai pas envie que tu me déranges. Hein. Vas-y, d'accord, de toute façon, t'es super désagréable toi. Salam. C'est quoi, je vais prévenir Shawen. Je vais prévenir Shawen parce que lui, il était pas. Voilà, il était pas prévenu. Je vais lui dire, je troll SK, tu la boucles. Logiquement, je vais me mettre en positif. Voilà. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai failli me faire écraser. Oh mon dieu. Et là, maintenant, j'ai simplement à reboucher les mecs. Attendez, on va voir l'édit de tout ça. Et voilà, les mecs, j'ai simplement rebouché le trou. Maintenant, slash pardon SK. Voilà, on va le pardon. Hop là, on retourne. Booba Banks, c'est parti. Hop là. Ça va pas se finir comme ça à la tête de. Après, il va me dire, ouais, ma vidéo elle a été gâchée à cause de toi. Alors que c'est juste ce clochard qui ne sait même pas s'acheter les propres serveurs. Voilà, frère, ouais, c'est ça. Oh le cauchemar. C'est serveur de merde là, mais tout a des pop. Mais maintenant les mecs, ça va être simple. Je mets tout le monde en aventure. Voilà, tout le monde est en aventure. Tous les Shawen, tous les SK à la cité. Et maintenant, je vais faire un petit trou pour que tout le monde puisse accéder au truc. Bon les mecs, c'est terminé. Allô. Mais c'était pas 5 minutes là. Oh. Oh c'est bien plus. C'était bien plus. Bon bref. C'est même pas que c'était même pas 5 minutes. C'est comment on s'est fait ban et je crois quand tu te fais ban. Allô. C'est le serveur qui a reload. C'est le serveur qui a reload. Moi aussi j'ai. Bah, il a plus reload. Il y a plus rien. La tête d'homme, il y a plus rien de ce que j'ai fait à part juste les vergetures. Ok, c'est ok. Bon. En vrai de vrai, c'est pas terminé. C'est pas terminé, mais c'est. Et y a du potentiel, y'a un truc. Après, en soi, est-ce qu'elle regarde. En soi, est-ce qu'elle regarde. Est-ce que ça serait pas un petit peu. Est-ce qu'on aurait pas envie de disqualifier le fait que ça dépasse. Déjà, moi, je suis même pas en mode créatif. Mais qu'est-ce qui dépasse. Normal, c'est le style. Pourquoi je peux pas être en mode créatif. Rien que le fait que ça dépasse, je retire 2 points. Mais c'est volontaire, c'est le style. Mais c'est un chalet, Lined. Bah, je te mets 7 sur 10. Ça veut dire que t'as 9. Ah, hein. C'est dégueulasse. Quoi. Non, mais toi, je te jure. C'est slash ban. Si tu veux être aigri, on sera plus méchant avec toi. Hein. Ah bah oui, parce que moi je suis le premier, donc là tu as intérêt à mettre une bonne note. Hein. Non mais moi je vous expliquerai là-bas le problème que j'ai eu, que j'ai rencontré. Mais vas-y, attends, je visite intérieurement. C'est un décor d'Hollywood Studio là. SK, tu mets combien. Moi j'ai mis 7. Pour la volonté et pour l'effort, je mets un bon 9. Ah oui. Oh, mais non, mais franchement pas mal, 9 sur 10. Alors moi, attends. Alors moi, franchement, j'ai pas envie d'être aigri, hein, mais c'est incroyable. Mais ouais, j'étais trop nul. Oui, mais en fait, je m'adapte à la concu. À quoi bon. Mais on va compte, on te dérange. Après, en soi, vraiment. C'est peut-être moins bien que moi, mais ce sera mieux qu'SK. Bah, de toute façon, bah. Non, voir, non, hein. Moi, il y a un problème. Non, pause. Non, écoute-moi avant d'y aller. Stop. Il a fait de forêt. Attends, on va voir. Ouais, non, mais là, c'est un ring de merde. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Rien du tout. C'est même pas. Il a même pas bu les maisons. Il a cassé le truc pour mettre la maison. Il a pas compris. Écoute-moi. Écoutez-moi. Je veux que tout le monde se calme. Je veux qu'on m'écoute. Je veux qu'on prenne chacun. On t'écoute, c'est bon là. Oh, parle. C'est pris pour Denis Brognard là. J'étais en train de faire ma maison. Elle commençait là, jusqu'à là. Elle allait jusqu'à même là-bas. Elle était grande. Il y avait un chemin de fer parce que regardez ce que j'ai. J'avais tout pour faire un chemin de fer pour la provister la maison. Donc ça veut dire qu'en 20 minutes de build, tu as juste posé des arbres. Non, écoute-moi. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été ban, il y a une force surnaturelle qui, je vous parle très sérieusement, a dû envelopper ma maison. Les gars, on prend peut-être pour un fou. J'ai pas envie qu'on me reprenne pour un fou. Parce que beaux arbres, je vais mettre un petit 1 sur 10. Bah, 0. Mais le pire, c'est que vous allez croire que vous avez raison alors que je sais que j'ai raison en fait au fond de moi. Bon, tu sais quoi, Shawen. Tu dis 3 mots, je dis 3 mots et il doit les placer dans un freestyle. Ok. Comment ça. Attends, pause. Comment ça, un freestyle. Ah, bah c'est ton gage. Bah c'est comme ça, mon gars. C'est ça le gage, faut que je fasse une chanson. Ne faites jamais de build battle avec SK parce qu'il se fout de la gueule de tout le monde. Wow, vous êtes des clochards, mais wesh, comment c'est possible qu'elle soit téléportée. La tête d'homme, c'est fait ça comment. Wesh, moi c'est SK. Je cause ma place. L'année Shawen me zappe. Ouais, y'a zéro trace. Ils ont fait un son excuse, ils m'ont pas invité alors que de passe je le dépasse. Bon, c'est pas grave. Je suppose, moi je mérite ma place, je dis pas n'importe quoi, t'es grave. Leur nouvelle chaîne en description. Ouais, je reviens avec un dernier couplet, juste pour dire que je me fais exploiter. Non, je rigole, mais j'ai aussi ma chaîne. On rigole et c'est parfait, on parle de caca.